Ça fait de la merde. Voilà, enregistrement local lancé. Salut YouTube, j'espère que ça marchera cette fois-ci. Ah bah ça fonctionne là, tu vois. Là, il n'y a pas de souci. Va savoir. Donc voilà. Donc on est parti sur du Bloody Roar Primal Fury. Vraiment très bon jeu de la GameCube, que je vous conseille vraiment beaucoup. Ah, Woodstone. Quand il faisait vraiment des bons jeux. Attends, je vous laisse avec le ping. Bah voilà, c'est sympa, mais ouais, je suis vraiment du même avec Itachi. La musique, elle est bof, quoi. C'est vrai que bon. Après, c'est le style du jeu qu'il veut, mais ouais, c'est assez bizarre. Donc, Bloody Roar, Primal Fury, ça a quand même bien changé. Depuis Space, hein. Quand même. Ça a vraiment bien changé. Donc, également, ouais, je devrais vous montrer un jour Bloody Roar sur PS2, ouais. Donc, Bloody Roar 4. Et mine de rien, des Bloody Roar, on n'en a plus depuis la PS2, hein. Quand t'y repenses. T'en as plus depuis la PS2. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une bonne saga. Comme 4 épisodes, plus Primal Fury. Alors, Primal Fury, je sais pas. Je sais pas si c'est le 3. Non, il me semble que c'est pas 3, c'est vraiment un épisode de la GameCube, hein, c'est tout. Il me semble que c'est vraiment un épisode de la GameCube. Donc, t'as quand même 5 Bloody Roar. Hein. T'as le 1, bah forcément, t'as le 1, le 2, le 3, le 4. Et t'as Primal Fury, tu vois. Donc, c'est un jeu de baston, ouais. On va tout juste faire un mode arcade, hein, tout simplement. Donc, là, on a, bon, bien entendu, hein, différents personnages. Et mon personnage favori, c'est Xion. Et là, vous voyez, ils ont des noms. Xion the Inborn, Uliko de Half-Base, tout ça. Bah, tout simplement, c'est pour te montrer qu'ils ont une transformation. Et c'est ça qui fait la particularité des Bloody Roar, tout simplement. Voilà, on va commencer à jouer, parce que... une illustration est mieux qu'une parole, quand même. Bon, je vais passer ça. Je vais vous montrer ce qu'apporte ce jeu, tout simplement. Vous allez voir. Je vais laisser un peu avec l'ambiance, tiens. Je pense que vous avez un peu tilté le gameplay, hein, ce que ça représente. Je pense que vous avez tilté. Et ben, on peut se transformer en bête quand on veut, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est totalement génial. Bah, quand il y aura plus de monde détaché. J'ai plus d'oreilles, en fait. Hop là, oh, j'ai... Ouh, comment il m'a repoussé. Oui, bon. Quand on a plus de barre de limite, hein, en bas, on se retransforme en humain, mais il faut juste remplir une nouvelle fois la barre, ou un petit peu, hein. Faut pas éventuellement la remplir jusqu'au bout pour se transformer, mais bon, c'est utile quand même. Mais, ouais, ça apporte vraiment un très beau gameplay, tout ça. Mais c'est la particularité des Bloody Roar, hein, ça. Quand on veut, il n'y a pas de barre de limite. Si, justement, tu vois en bas, Best Change, bah ça t'indique que tu peux te changer, en fait. Salut Wayne, comment ça va l'ami? Hop. Après je sais que chaque bête, hein, chaque bête on leur attaque ultime. Et pour Xion je sais pas comment faire. Oula. Ça rend du pif. Mon Wayne nous.
Voilà, je fais de la merde là. C'est incroyable. J'ai envie de faire un beau finish. Ouais, comme ça. Attends. Ouais, on peut également faire des pas de côté. Bon, c'est tout, toujours bien. Ah, parfait, ça. À savoir qu'on peut péter le décor aussi. C'est les murs, là. Au bout d'un moment, ils peuvent casser. c'est génial, ça. Ah, ça va, Wayne. J'espère que ça va, en tout cas. Par contre, oui. Là, pour l'instant, ça va. Enfin, plus ou moins. Parce que je sais pas jouer à ce jeu. Faut dire ce qu'il est. Mais quand va y avoir le boss final, mon gars, je vais hurler. Je vous jure que je vais hurler. Il est extrêmement difficile. Surtout parce qu'il a deux transformations, ce connard. Ouais, les finish sont quand même beaux, hein, faut dire ce qu'il est. Parfait. Bah franchement, les graphismes... Waouh. Je trouve qu'ils n'ont pas vieilli, en fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu vide à certains endroits et tout ça, mais tu vois... Voilà. Franchement, ça se voit encore, quoi. Ce jeu, il est bon. Ce jeu est franchement bon. Donc là, par exemple, les vides, elles peuvent se casser, tout simplement. Et c'est du ringot, hein, tout simplement. Et ça tue l'adversaire, tout simplement, voilà. Là, je suis un peu fatigué. Ça se ressent un peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de me baiser et de prendre du temps avec vous. Ah, vous voyez, là, par exemple, la vitre, elle a été cassée. Et le but, c'est de l'envoyer. Le but, c'est de l'envoyer. Bon, on va essayer. Oh, putain. Oh, merde, non. Oula. Attends, on va essayer de l'envoyer. Mais c'est pas toujours facile. Ah, voilà. Il était génial, ce ring out. Tu vois. Ah, ouais. Excellent. Et je suis content que ça tourne bien, ce jeu. Je suis vraiment content. Le Hero 4 aussi, il tourne très bien. Alors. Je pense qu'elle est chiante, elle, me semble. Requin dauphin, exactement. Ouh. Oh, je vais faire un combo de l'enfer, là. Je vais faire un combo de l'enfer. Hier, j'ai travaillé sur la terrasse, en fait. Ah ouais, ah, accroupi. Ouais, au bout d'un moment, ça fait vraiment mal, ça. Ouais, toi aussi, Wayne. Il fait trop penser à lui aussi. C'est du fou. Oula. Il était parfait, ce finish. Oh, putain. Oh, je l'ai propulsé à des kilomètres. Oh, c'est génial. Un cafard démon. Mais tout à fait. Ah, ce décor, il est vraiment très très bien. Alors, Buzuzima qui est là depuis le premier Blood Error, d'ailleurs. Ah ouais, c'est dingue, hein. Dreamcast, mais bien sûr. Gamecube, les gars. Alors, je pense qu'il y en a 8 ou 9. Si j'ai pas de conneries, les stages. Cramé. Les bêtes, elles sont bien faites quand même. Hein. Putain. Salaud. Oh, salopard. Ah, merde. Ah, zut. Ah, quelle horreur. Quelle angoisse. Ah ouais, il est toujours en bête, lui. Effectivement. Là, je mets pas assez la carte, moi aussi. C'est n'importe quoi. Non, mais je maîtrise pas le jeu aussi. Franchement, j'ai aucune maîtrise de ce jeu, c'est fou. J'ai des attaques totalement banales. Ah bah voilà. Une attaque ultime, ça. La musique aussi, elles sont cool. Putain, comment il m'a défoncé. Ah ouais. Comment il m'a défoncé, mon gars. Ah, c'est génial. Ah ouais, il fait super mal, hein. Putain, salopard. Eh, franchement, le boss final, c'est rien comparé à ça. Hein. Je vous jure. Hein.
C'est rien du tout, les gars. Oh, mais... Ok, si tu veux. Mais... Putain, mais il est chiant. Il se met en mode invincible, lui. Mais salopard. Mais c'est quoi, ce connard? Mais t'es quel genre d'enculé, toi? Ta langue au chat. Oh mon dieu. Bah, je le bute là. Ah bah voilà. Bon, je vais faire une petite coupure à la cheville, mais ça va. Tout va bien, tout va bien. Final round. Il est au max en plus. Il va me maxer, lui, j'ai l'impression. Ah oui, tu peux. Tu peux rendre ta transformation plus powerful aussi. En appuyant sur le bouton de transformation, tout simplement. Mais cette console, bien entendu, la barre comme pas possible. Il va me tuer. Oh putain. Oh. Et faut que je fasse du. Faut que je fasse des Ryan Goot, hein, je sais pas moi. Oh le salopard. Oh le petit con. Ouais ben si. Eh. Hey. Si je réussis pas sur lui, eh, faut pas demander de boss final, hein. Boss final, c'est un enfer. Oula. Oh, combat d'infirme. Ah ouais, génial. Ah oui, il peut devenir invisible, hein. C'est un fou ce mec, c'est un fou. Ok, Itachi, pas de soucis. Attends-toi, bon appétit. Oh putain. Il est chiant comme ça, hein. Putain. Mais pourquoi il a encore sa transformation alors que la barre est à zéro, mec? Sérieux. N'importe quoi. Ça va rester à zéro là. Il vaut zéro là. Putain. Mais vas-y toi. What the fuck? Attends, j'essaie de le ring out là. Et il me provoque un con. Attends, je vais essayer de l'envoyer dehors. Oula. Oh là là. Ah mais je veux zéro à ce jeu, c'est du fou quoi. Ah voilà. Putain. Ah ouais. Eh mais si je galère déjà ici, je demande pas ce que c'est la suite hein mon gars. Ah, ah ouais. Ah oui. Ah ouais, j'ai peur là. J'ai vraiment très peur. Alors toi Alice, ça devrait aller, enfin j'espère. Est-ce qu'il est là depuis le premier, il me semble aussi. Ou le deuxième. C'est quand même déjà un beau roster des premiers épisodes. Mais... Mais... Voilà. Le lapin est mort. Pauvre lapin. Elle lapinu. Et dès que je perds ma transformation, ouais. Génial. Je vais mourir. Ah bah ouais. Quand même m'enchaîne. Ah là, les vidéos Laurentin. Non mais c'est une mauvaise bunny elle. C'est une mauvaise bunny. Ça le priva.
Eh, pas possible, hein. Oh merde, sérieux? Non. Oh non. Noir comme une merde. Oula. Oh putain. Comment elle m'a rattrapé? Oh, comment elle m'a rattrapé. Elle m'a maximisé ici, hein. Oh putain. Eh, ce jeu, il est dur. Je pense que j'ai mis le mode difficulté normal en plus. Et normal, hein. Imaginez le mode difficile. Imaginez un peu. Imaginez un peu la merde que c'est. Bon, ouais, le boss final, je suis pas prêt, quoi. Non, je suis pas prêt au boss final, moi. Oh putain. Oh mais non. Oh putain. Ah là c'est chiant. Là c'est très chiant. Putain. Ah j'aime pas. J'aime pas perdre comme ça des jeux de combat. Franchement j'aime pas du tout. Putain. Salope. Excusez-moi d'être injurieux là mais je suis obligé. Allez tu l'as. Voilà. Voilà. Je suis même pas encore boss final, je galère déjà comme une merde. Bah tout va bien. Tout va bien. Excellent. Excellent. Ouais. Il y a le truc, j'ai pas joué à ce jeu aussi, quoi. C'est très technique comme jeu, mine de rien aussi. C'est vachement technique. Va sortir des combos, toi. Combo de l'enfer. Et vas-y, que je vais mourir comme une merde. Putain, ça pétasse. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Vain dieu. Ah ouais, mais le mode... Ah ouais, le boss final du mode arcade de Tatsunoko, il est horrible. Ah ouais, le boss final, il est horrible aussi. Ah, c'est un fou, ce mec. C'était le boss en plusieurs phases, il me semble. Ouais, il était horrible. C'était vraiment horrible. C'est sûr. Putain, ça... Connasse. Mais même aussi comme ça. Oh, putain. Allez, là, je vais m'énerver. Elle me fait chier. Putain, j'ai pas mis mode hardcore, moi. Non. What the fuck. Mais cette connasse. Si je savais comment faire les attaques ultimes, ça irait. Et encore, s'il esquive pas, hein. Mais bon, quand même. Putain. Même en l'air, elle me maximise. Même en l'air. Mais... Mais putain. Nique tes morts. Oh putain. C'est cuisse de lapin. Oh, vain dieu. Oh, tu vas m'énerver, toi. Ah, oh, je le sens. Mais c'est rien comparé au boss final, cette pute en plus. Mais, arrête de m'enchaîner, putain. Et moi, je suis pas stun pour ses coups, hein. Aussi. Mais fuck. Voilà, c'est déjà ça de fait. Oh, vain dieu. Oh, vain dieu. Saleté de lapin. Voilà, déjà un round. Ça fait longtemps. Ouais, fais des chops. Ouais, faut... Ouais. Ouais, je tente. C'est vrai. Pff, ok. Le respect, il est totalement mort.
J'ai pas envie de spammer moi, hein. Je suis pas ridicule à ce point-là quoi. Je suis pas ridicule non plus. Mais bon, des fois, j'ai l'impression qu'il faudra faire ça. Hein. Putain. Je transforme pas. Mais... Elle spam. Elle spam cette connasse. Putain, elle a regagné sa vie. Bah tout va bien. Mais tout va bien, elle a regagné toute sa vie, cette connasse. Et vas-y, que j'ai plus de vie. Mais c'est de la merde. Tout va bien. Et voilà. Tout va bien. Oh putain. Ah j'adore. Ah j'adore. Oh putain. Oh le fail. Ah ça fait longtemps. Ça fait longtemps ça tient. Putain, elle est super agile en plus. Hein. Quand tu me diras c'est un lapin hein, en soi. La fille. Mais bon. Quand même. Elle me stun avant, hein, cette conne. Elle me stun avant. Hein. Oh, bordel. Tiens. Allez, allez. J'ai plus rien. Ça, c'est de la merde. Ah, oui. Ah, oui. Elle est chaude. Ouais, chaud lapin. Ah, enfin. Puis, purée. Voilà. Mercredi aussi. Pff, oh là là. Bon, ça, c'est un perso qu'on doit débloquer plus tard. Semble qu'on débloque au mode survie, justement. Bon, c'est Ganesha l'éléphant. On peut le ring out. Oh, 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 oh. Doucement, monsieur. Bon, ils entendent les bruits de manette, mais là. Je suis un peu obligé, là. C'est difficile tout ça. Voilà. Ça c'est fait. Allez. On essaie de réussir, hein. Je l'ai bien essayé, bien entendu. Mais si je pouvais le ring out, oui. Ah bah voilà. Suffisait de le demander. La musique elle est cool d'ailleurs. Mais c'était fortement appréciable. Voilà, donc nous voilà au final stage. Et lui, les gars, c'est l'enfer sur terre. Il a deux transformations. La musique est cool d'ailleurs. Il esquive tout ce connard. Ouais bon, c'est vrai qu'avec un certain bouton tu peux techniquement esquiver les attaques, mais ça te baisse ta jauge là. Jauge de beast. Gardez comme il esquive. Gardez-le, gardez-le. C'est un salopard. Gardez-le. Allez, ici le combo passe. Et rien n'est passé, bien entendu. Et une petite chop, ça fait du bien. Oh, ce manque de respect. Et c'est là que je vous dis, ouais, le boss, il est vraiment horrible, mais je le passe d'un coup. Est-ce que j'aurais bien fait de framer ma gueule, justement. Je sais pas. Wow, wow, wow. Je sais pas trop. Ouais, ouais. Là, il faut faire attention. Regardez les dégâts qu'il fait. Regardez juste les dégâts qu'il fait, les gars. Oh, vain Dieu. S'il vous plaît. Il va me tuer? Non. Quoique... Ah bah oui. Voilà. Allez. On est reparti. Waouh. Allez, là ça va. Là pour l'instant tout va bien. Enfin, pour l'instant. On dit bien pour l'instant. Allez. J'aurais pu le ring out là, directement.
Oh putain. Oh non. Oh non. Il avait plus de vie. Il avait plus de vie. Il avait plus de vie du tout. Sa vie c'est de la merde. Oh quelle horreur. Allez, on est reparti, hein. Écoutez. Et il a deux transformations, hein. Là, on n'avait que la première. Je dis bien, on n'avait que la première. Ah. Ah, salut, Slice. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Ouais, le dernier PV, il fait vraiment mal, là, c'est sûr. Quelle horreur. Ouais, ça devient une transformation, mais elle est casse-couille. Parce qu'il est tout petit, et forcément, les attaques hautes, ça passe pas. C'est pas ridicule, hein, mais il est chiant comme ça. Il est extrêmement chiant. Mais pourquoi t'as deux transformations, toi aussi? Ouais, ouais. Parce que c'est le boss, hein, mais bon. On peut débloquer ce con, hein. Évidemment, on peut le débloquer. Mais pour ça, je vais restory mode sans perdre un round. Vas-y, toi. Il est à l'envers, je vais en profiter. Oh putain. Et je vais encore mourir comme une merde, hein. Oh non, pas de timer. J'avais touché. Yoke, Manon. Pas trop. Pas trop. Certainement pas. Bah ben, je pense pas, hein. Foiré. Non, il paraît ridicule comme ça, mais il fait super mal. Enfin, oh, vas-y, se transforme comme ça. Pas super mal, oui et non, mais c'est surtout que tu sais pas le toucher. Enfin, il est très dur à toucher comme ça. Regardez tout ce qui esquive. Gardez-le, gardez-le. Ah bah voilà, génial. Ouais, génial. Parfait. Ouh, qu'est-ce qu'on sent bien là. Tout va bien. Oh mon dieu. Il va me buter. Ouais. Ah, vain dieu. Bah tu sais, Wayne, je pense à la même chose. Tu vois, avant, je jouais beaucoup à Tekken 5. Et à la fin de Tekken 5, t'as Jinpachi, là. Et maintenant, ça va. Je maîtrise mes Tekken, donc ça va. Et Jinpachi, quand j'étais le gosse, mon gars. Bon courage, hein. T'as Game King of Fighters qui sont pas mal à ce niveau-là. Que tu dois avoir vraiment des nerfs d'acier pour battre les boss. Surtout Orochi et... Comment il s'appelle encore ce con? Ouais. C'est Rugal, voilà, c'est Rugal. Putain, il était chiant lui aussi. Quelle horreur. Allez, je vais me transformer. Ne sait-on jamais. Là, vous entendez la manette, mais bon, là, je dois le maximiser. Je dois le maximiser, là. Parce que c'est notre projet, voilà. Oh. Il me troll, cet enculé. Oh, putain. Tout va bien. Là, je suis mort, hein. Voilà. Oh mon dieu. Bon, au moins la musique est classe. Elle est classe au moins la musique, mais c'est au moins quoi, tu vois. Oh putain. En fait, le truc, faut monter ta barre, tu vois. Et plus t'as de la barre, plus tu resteras en bête, en fait. C'est ça un peu le truc, mais... Vas-y toi. Vas-y toi. C'est stratégique tout ça, mais face à ce boss-là, enfin, un du moins pour moi, hein, mais c'est pas super facile. Ouais, merde à toi. J'ai eu le temps de rien faire du tout. Hey. Est-ce qu'on ferait pas une astuce pour le Ring Out, justement? Bon, Ring Out, vous savez que ça one-shot, hein. Mais, oh, courage aussi, hein. Vas-y, déjà qu'il enchaîne, là. Salopard. Gardez-le! Gardez-le, cet enfoiré. Il se met en mode berserk directement, lui. Oh là là. Mais c'est un fou, ce boss. C'est un fou. Moi, je vous le dis, c'est un fou. C'est Satan et Lucifer ensemble, là. Ha ha ha.
s'appelle bien Chronos, hein, parce qu'avec lui, t'as le temps de rien faire. Il porte bien son nom, cet enculé. Allez, j'y suis presque. Oh non. Oh non, 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 non. Ah, ça va. Allez, premier round. Tu parais combien que je vais me faire défoncer la gueule sur les deux rounds de suivant, là. Regardez-le, comment il se déplace. Oh, il y a une brèche. Oh, crois-moi que je vais en profiter. Merci. Merci. Alors, je suppose. Thank you very much. Oh. Ça, tu vois, c'est le point qui veut dire ta gueule. Il veut dire ta gueule. Tu restes par terre, tu te la fermes. Voilà. Ah, je vais pas rester 10 ans sur lui quand même. Je vais pas rester 10 ans. Enfin, j'espère. Bah, je vais mourir. J'ai l'impression. Enfin, du moins, c'est bien parti. Ah, mais c'est enfer. Eh, si. Si mon stream était un plat, je pense qu'on y verserait beaucoup de sel. Parce que là, c'est pas possible. Oh mon dieu, ce boss! Oh là là! Tiens, regardez-moi, il me suce ma barre de beast. Il me la suce carrément, foiré. Là, je vais plus trop parler parce que j'ai envie de me concentrer. Là, il commence un peu à m'énerver ce boss. Et c'est pas le pire en plus. Putain, mais ça fait 3 fois que je le tue comme ça. C'est pas legit. Au moins je le tue, je gagne un round, c'est pas ça, mais bon, c'est. C'est pas la win quoi. C'est pas la win du tout de gagner comme ça. Je sais pas si on va faire des dégâts comme ça, mais bon. Voilà comment je vais faire des dégâts. Voilà, c'est plus legit. Retaché. Et bon app, du coup. Ouais, du courage j'en ai besoin, t'inquiète. Allez. Allez. T'as plus rien. Ta vie, c'est de la merde. Allez, t'as plus rien. Mais t'as plus rien. Mais t'as plus rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Remboursé. S'il vous plaît. Mais what the fuck. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Putain. Oh putain. Oh putain de merde. Bon, on peut admirer l'ending. Ça aurait été bien de mettre des voix d'ailleurs, mais bon. Il n'y avait peut-être pas le budget, je sais pas. Il n'y avait peut-être pas le budget. Mais ouais. Oh là là, que t'étais chiant. Oh mon dieu. Mon dieu. Quelle horreur. Quel enfer. Ouais. On va voir que certaines animations sont pas franchement bien faites. Hein. Là, tu vois, il tourne l'œil. Il a un œil, on dirait un mini-œil. C'est n'importe quoi. Voilà, Keita. Ça va. Eh ben, punaise. Il m'aura pris la tête, hein. Bon, moi, la musique de l'ending est bien plus appréciable. Quoique. Enfin, c'est surtout la tonalité, en fait, des guitares qui. J'aime pas trop, en fait. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est le jeu qui veut, écoute.
Et ouais, enfin. Ah bah, ici on est à 43 minutes. C'est cool, hein? Surtout que normalement, bon, je vais vous dire un truc, hein, si vous faites le mode arcade sans perdre un seul round, ou sans perdre un combat, je sais plus, bah t'as le boss secret, qui est Uranus, et elle par contre, quel enfer. Elle est beaucoup plus pire que le boss final. Elle est mille fois plus pire. Mais quand je vous dis mille fois, c'est pas rien. En fait, Uranus est bien simple. Sa forme humaine, elle est bien pire que sa forme bestiale. Sa forme bestiale, c'est un enfer. Mais sa forme humaine, je te jure... En fait, Uranus, c'est bien simple, c'est se téléporter. Hein ? Essaye de se téléporter. Et ça, par contre, pour attaquer, bah... Bon courage, hein, mon coco. Bon courage. Non, pas que Uranus. Bah écoutez, j'ai Bloody Roar 4 ici. Altonsoft, très bon développeur ça. J'ai Bloody Roar 4. Et justement, bah j'ai Uranus. Et bah j'aime bien la jouer, justement, pour ça. Parce qu'elle est totalement pétée. No Ken Gaishin. Ah bah j'ai... Voilà, j'ai débloqué un personnage. Voilà, tout va bien. Enfin voilà, donc c'était Bloody Roar Primal Fury. Hop, on va changer de jeu tout de suite. Et voilà, je coupe l'enregistrement local.